Je m'appelle Leonardo, j'ai 19 ans. J'étais placé à l'ASE à l'âge de 13 ans. Et par la suite, j'ai changé de foyer plusieurs fois jusqu'à arriver à un foyer où je suis resté 5 ans. Aujourd'hui, j'ai 19 ans. Je suis en terminale bac pro économie de la construction. Et pour l'année prochaine, je souhaite continuer en BTS économie de la construction en alternance. Actuellement, j'ai un contrat jeune majeur jusqu'à décembre. Et moi, de base, je voulais faire un BTS en initial, mais j'étais un peu obligé de faire en alternance parce que l'ASE m'a dit soit tu fais un BTS en alternance, soit tu arrêtes directement et je pars travailler. Et un peu contrarié, mais en ce moment, je suis à la recherche d'un patron pour pouvoir poursuivre mes études en alternance. Sinon, je continue pas. Et moi, mon souhait, c'est de continuer à aller jusqu'au BTS et ensuite faire une licence et par la suite, peut-être continuer. Actuellement, je suis hébergé dans un foyer de l'association Jean Coxette où j'ai une petite chambre. J'ai un contrat jeune majeur. Je devais avoir un contrat jeune majeur de 2 ans, normalement, comme c'est dit. Mais j'ai un contrat de 1 an. J'en ai parlé avec mon référent à l'ASE, mais il m'a clairement dit qu'il n'y avait pas de possibilité de le prolonger. C'est ce que je trouve vraiment dommage avec les contrats jeunes majeurs, c'est qu'on nous dit qu'on peut re-signer 2 ans derrière, mais la plupart du temps ça ne se passe pas comme ça. On nous dit 2 ans, mais il y en a qui signent à 6 mois, 1 an. Et actuellement, même pour avoir un an de contrat jeune majeur, il faut avoir de la chance. Le problème de signer un contrat jeune majeur pendant 6 mois, c'est qu'on est à l'école et 6 mois, on n'a pas encore fini sa formation. Donc ça veut dire qu'on a un contrat jeune majeur de 6 mois, on est en formation, il faut qu'on trouve quelque chose pour pouvoir se débrouiller après, parce que quand l'ASE finit son contrat jeune majeur, du coup c'est à nous de voler de notre propre aile, c'est-à-dire trouver un appartement, comment se nourrir, et sachant qu'on est étudiant, on n'a pas de revenus, c'est un peu compliqué. Si demain j'ai plus de contrat jeune majeur, je serais embêté sur une alternance. Du coup, vu que je serais rémunéré, j'aurais 600 euros par mois, je pourrais vivre. Ça serait serré, mais je pourrais quand même me débrouiller en essayant de demander des aides avec l'association la DEPAP ou avec la CAF. Mais ça serait difficile, sachant que j'ai 19 ans, j'ai jamais travaillé de ma vie. Et moi, vraiment, j'aimerais bien continuer mes études jusqu'en licence.